Ça nous a pris 3 mois complets pour découvrir quels étaient ses projets. Quand le père nous l'a dit, c'était trop beau. Pour les vacances, nous avions un bateau. D'un bond, d'un seul et sans hésitation, on se documente sur la navigation. En moins de 8 jours, nous fûmes persuadés que la mer pour nous n'aurait plus de secret. Encore heureux qu'il ait fait beau, que la Marie-Joseph soit un bon bateau. Encore heureux qu'il ait fait beau, que la Marie-Joseph soit un bon bateau. Le père alors fit preuve d'autorité. Je suis ingénieur, laissez-moi commander. Devant le résultat, on lui a suggéré qu'un vrai marin vienne nous accompagner. Bon. Encore heureux qu'il ait fait beau que la Marie-Joseph soit dans mon bateau. Encore heureux qu'il ait fait beau que la Marie-Joseph soit dans mon bateau. Alors j'ai dit je vais prendre la direction, ancien marin chez la navigation. Je commence à croire que c'était prématuré, faut pas confondre guitare et naviguer. Encore heureux qu'il ait fait beau que la Marie-Joseph soit dans mon bateau. Côté jeune fille, c'était pas mal. Ça nous a coûté les coudes de grand voile. En la coupant, ma guidie, je me rappelle qu'un de mes louveteaux voulait de la ficelle. Pour la deuxième, fallait pas la laisser toucher la barre ou même s'en approcher. Car moins de 2, on était vent debout. J'aime tant l'expression, disait-elle, pas vous. Qu'il ait fait beau que la Marie-Joseph soit dans mon bateau. Qu'il ait fait beau que la Marie-Joseph soit dans mon bateau. On démossade comme un marin breton. Moi je peux vous dire que c'est pas mon impression. Car tous les gars du côté maroutier ne sont pas prêts de s'arrêter de rigoler. Encore heureux qu'il ait fait beau que la Marie-Joseph soit dans mon bateau. Encore heureux qu'il ait fait beau que la Marie-Joseph soit dans mon bateau.